Konnichiwa, c'est Kuze, j'espère que vous allez bien. Et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, bon, on va pas dire que c'est let's play, parce que je crois pas qu'il y a de mode histoire pour ce troisième DLC hein, de Dragon Ball Xenoverse. On va aller voir tout de même, parce qu'on sait jamais, des fois qu'il y a quand même un bout d'histoire. Mais je ne crois pas. Donc pour ce troisième DLC, donc qui est en l'honneur du film, du nouveau film de DBZ, donc Fukatsu no F ou la résurrection de F A-C. Et donc voilà, donc en gros, ben, on a trois nouveaux persos. On a Vegeta, Vegeta et Goku cheveux bleus, ainsi que Freezer Gold. Si j'allais dire pas de conneries, et non, il n'y a rien du tout. Ils nous ont douillé sur ce coup-là. Dommage. C'était bien sympathique les bouts d'histoire dans le DLC, mais apparemment ils ont arrêté là. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester ces trois persos. Hein, on va faire les quêtes secondaires qu'ils nous ont rajoutées d'ailleurs dans ce jeu. Donc si vous avez suivi mon let's play, vous devez voir que ce personnage n'est pas mon personnage principal. Parce que apparemment on m'avait dit que j'avais fait de la merde et que les Saiyans c'était la race les moins forts. Donc bon, du coup voilà. Du coup on va peut-être les faire en ligne. Et on va prendre les persos. On va rechercher. Non, on va créer. Nouvelle quête parallèle. Et voilà, donc bas Freezer doré, bas Bulus, bas ok, et bas 3 gorilles géants. Ah oui, cette fois ils ont rajouté, ok, je vois. Donc on va tenter cette mission. On s'en fout, on met tout. Hein. Et donc normalement ça devrait trouver bon. Par contre le problème c'est qu'on est quand même, je crois qu'il est 1h de l'après-midi, il doit pas y avoir beaucoup de monde de connecter à cette heure-ci. On va attendre 2-3 minutes, hein. On va causer en attendant. S'il y a personne qui vient, c'est qu'il y aura personne pour jouer, c'est qu'ils sont tous à l'école. Et donc du coup voilà, donc aussi il y a eu une mise à jour récemment que j'ai su grâce à Ansei, le samouraï du jeu vidéo. Si vous connaissez pas sa chaîne, je vous invite à aller vous abonner, il fait des très bons tutos sur Dragon Ball Xenoverse. C'est sympa, à aller voir. Sinon oui, donc je disais que grâce à Ansei, j'ai su que les personnages, on pouvait les monter maintenant jusqu'au level 99. Donc là, à mon avis, il n'y aura plus de level up. Le 99, ça sent que c'est le bout. Tu peux pas aller plus haut. Et donc du coup, voilà. Et apparemment, c'est très très long de monter de level 99. Donc c'est un truc bien, personnellement, je trouve. Parce que dans les jeux, quand tu montes en level beaucoup trop facilement, ça devient vite lassant. Donc il y a un peu de difficulté à monter en level. Enfin, difficulté, c'est pas vraiment de la difficulté, c'est plus... Plus tu geeks, plus t'es au level, mais c'est un truc dans le genre. Et donc du coup voilà, donc du coup, si dans 3 secondes, 3, 2, 1, ça me saoule. On va aller faire la quête. On va aller faire la quête en solo. On va bien voir ce que ça donne de battre Freezer. Voilà. Et on va tester les nouveaux persos. Attendez, hein, je guette bien que je suis en train d'enregistrer. Yeah, nickel. On sait jamais, il y a des fois que je cause dans le vide comme un handicapé. Donc du coup, voilà. Première session. Donc du coup, on va tester les nouveaux personnages. On va commencer par Goku, hein, évidemment. Allez, affiche-toi, petit chargement. Enfin, chargement. Oula, ça fait bizarre de voir ce Goku. Par contre, il n'y a qu'une version de Goku. Super Saiyajin Goto. Bah du coup, avec nous, on va mettre Vegeta. Est-ce qu'on se trouve bizarre, hein? On va pas mettre Freezer avec nous parce qu'il est contre nous. C'est un peu con. Par contre, je sais pas du tout ce que c'était que ce perso bizarre. Aucune idée. Donc, première session avec notre Goku, avec la tenue du film que je n'ai toujours pas vu et que je pense que personne n'a vu. Ça fait longtemps que j'ai pas joué aussi. Attends, il est en première forme, là. Oh, je sais plus jouer, les gars. Attends. Kamehameha X. Super point de Dieu. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Attends. Bon, pour l'instant, on va le tabasser. Là on va charger notre énergie parce qu'on le peut. Ça fait très très longtemps que j'ai pas joué, donc soyez indulgents un peu sur ce truc.
pour le coup. Kamehameha téléporté. Pas mal. Je me souviens que cette technique dans Tenkaichi 3 l'est. Enfin, en fait, elle est dans tous les jeux, hein, parce que tu te téléportes vers le gars et tu fais. Ah oui. Ah, il se met en forme finale et après il va y avoir la version dorée, c'est ça? Évidemment. Parce que sinon c'est pas drôle. Et après il va être chiant. Allez, frag. Oh, oh. Molo, hein. Voilà, on te tabasse, voilà. Super quand même. Et bon, par contre, ils sont pas foulés au niveau des techniques. Enfin, des techniques spéciales. Apparemment, il en a pas de nouvelles. Je trouve ça un peu dommage quand même. Mais descend. Voilà. Viens ici. Mets-toi en pomme dorée là. Allez, des pchons. En pomme dorée, je sais même pas pourquoi je dis pomme. Frieza, tu te calmes. Moi je tape dans le vide comme un handicapé. Attends, on va faire le super coup de poing. Qu'est-ce que c'est? Ok, le truc complètement impossible à placer, c'est pas mal. Allez, on va le passer. Ouh, ouh, ça c'était la patte. C'était bien stylé en fait, j'ai perdu mes mots pendant que. On a vu sa tête comme dans le manga, j'ai envie de dire. Bon, c'est un manga, c'est à peu près normal, mais. Attends, mais je l'ai. Ah non, il y a Freezer puissance maximale, excusez-moi, c'est vrai que. C'est vrai que puissance. Enfin, que forme finale, normalement, c'est pas la finale. Hein. Bon, c'est. On peut pas trop faire grand chose, mais. Bon, par contre, l'autre quête, je crois que c'est encore une quête Bad Freezer, donc bon, du coup, on va pas faire celle-là. On verra bien ce que ça donne. Bon, tu vas te calmer. Là. Voilà. Je reviens ici maintenant. Bim. On va peut-être qu'on refasse des. La patate de. Elle est bien stylée cette patate en tout cas. Mais bon, c'est la seule technique qu'ils ont rajouté, donc je crois, donc bon. C'est un peu dommage. Il veut quoi lui? Hop là. Eh, mets-toi en. Risa Koruto. Tu vas bien te foutre mettre normalement parce que là. T'es un peu au bord du gouffre, j'ai envie de dire. Voilà, donc attention. Un Freezer, il dit que son nom il est pourri carrément, c'est vraiment quelque chose. Alors. Par contre, je veux pas dire mais. Super Saiyan God, Super Saiyan en abrégé. On dirait un nom de code carrément. Là. Abusé. Hein? Ouais. Oh, tu te. Il est fou lui, hein? Il est fou? Bien sûr. Il a esquivé la patate de Dieu. Bon, tu sais quoi? Résistant quand même. Chou. Hop là. Oh, Dave. Hop les. Et bim. Et quand même à téléporter. Bim. Ah, ça va être un bon combo, ça, c'est stylé. Assez stylé. Hop là. Viens ici. Non. La patate du ralenti. Voilà. Va te taire maintenant. Yoplé. C'est dommage qu'ils mettent pas les. Enfin j'ai envie de dire c'est dommage qu'ils mettent pas les vrais OST. Ouais mais s'ils le faisaient, vive les droits d'auteur. Le truc c'est que en fait l'OST de. L'OST de Freezer doré là dans le film. C'est une musique de Maximum The Hormone, donc ceux qui ont fait l'opening de Death Note. Et pour ceux qui me connaissent pas mal, ben vous savez que j'aime bien le metal et le rock, etc. Donc du coup, la zig, je la kiffe à donf. Donc du coup, c'est dommage qu'il l'ait pas mis. Mais bon. C'est comme ça, on peut pas faire grand chose. Patate de Dieu. Bon, il est pas quand même très très puissant, je sais pas, parce que c'est la première quête de. Première quête parallèle, mais
tout cas il a pas l'air très puissant pour le moment. Hop là. Et bim. Bon bah, tu veux fuir, pas de problème. Je suis là. Prends-toi ça, non. Ouh, ça c'est un combo de ouf. En fait, tu te téléportes en l'air et tu fais la patate de Dieu direct. Le mec, il est fini, carrément. Apparemment, ça fonctionne qu'une barre. Hein. Hop là. Donc, il n'y a pas de nouvelle fin. Je sais même plus comment on appelle ça. Bon, bah, du coup, mon personnage, pas le level. Pas ce level 75, j'arrive plus à parler. Nom de Dieu. Donc, du coup, on va faire une autre quête. Où c'est que cette fois, bon, on va utiliser Vegeta. Super Saiyan Goto Super Saiyan. En fait, Vegeta il s'en bat les couilles. Hein. Il a pas Super Saiyan 3. Il a pas de Super Saiyan God. Mais il passe Super Saiyan God, Super Saiyan direct. Il s'en bat les couilles. Le mec s'est dit, il y en a marre là. Ça suffit. Oula, mais. Pas Beerus. Oh putain, faut aller dans tous les terrains. Vous savez quoi non, mais on va pas. Ah, et puis ici, on va battre Beerus. On prendra Freezer ensuite pour battre Goku et Vegeta. Donc du coup la vidéo sera peut-être un peu longue. Je sais même pas. Je sais même pas combien de temps elle va durer. Donc Vegeta. On va prendre lui et on va prendre. Voilà. Vu que c'est la vidéo DLC 3. Autant prendre les persos du DLC 3. Ah, il y a Whis avec nous, quoi. Très bien. Je suis un peu petit, moi, à côté, quand même. Chaud. Bon. Ouais, c'est là. On y va. Ikuzo. Bon, allez, quoi. Ah ok, mais il y en a avoir plein. C'est pas prévu. Bon, c'est pas grave. C'est quoi les Bing Bang coup final là? Pas mal, attends, je vais essayer après. Ouais, Vegeta, il a l'air quand même beaucoup plus stylé que Goku. Eh, mais non, mais... Tu arrêtes de bloquer, saleté. Ouais. Super canon Gary, enfin il ouais, n'y a pas trop grand chose. Un super canon Gary, je crois pas que ça existait. Hein. Bon, c'est le canon Gary, quoi, mais bon. Voilà quoi. On crache pas sur une nouvelle. D'ailleurs, je crois qu'il y a des nouveaux trucs qui sont apparus, genre la tenue tortue géniale, on peut avoir maintenant. Il y a quoi encore je sais plus. Je crois qu'il y a des nouveaux maîtres, hein, évidemment. Il y a des autres trucs, mais je sais plus vraiment ce que c'est. Dommage. On teste des combos, hein. Je suis pas le pro des combos, mais on teste des petits trucs quand même. Yo. On va tester le super canon Gary. L'animation, elle est quand même méga longue, hein. Donc, chaud quand même, en 1v1 je crois que c'est impossible à placer honnêtement. Ouh, pas mal. Bravo Ikuzo. Bon, par contre s'il faut battre Vegeta après et encore Freezer et après Beerus, la vidéo va durer 366 ans environ. Et si. Là. Et bim. Et bim. Et viens ici. Non, 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 non. Tu viens ici, je te... Voilà. You super canon. En fait, on peut le charger, en fait. Et quand on le charge, ça fait une putain d'animation. Genre... Oh. Pour au final le mettre dans la montagne. Voilà. Viens ici, mais ça suffit de fuir tout le temps là. T'arrêtes de fuir. J'ai 366 ans et c'est moi qui me prends la patate.
Je sais pas si c'est le combo triangle de Vegeta il était lourd comme ça. Mais... Ouais. Show. Voilà. Et bim. Non merde. Okay. Moi qui me suis fait niquer. Mikuzu. Alors on va faire un petit super canon Goriko. Charles Vegeta. Et voilà. Y'a plus de musique là. Non mais. Et il se téléporte en fait, hein, Vegeta Bro. Il se téléporte pas super loin non plus. Et il se téléporte. Et mais il va se calmer, la révolution céleste là. Voilà, j'ai obtenu une technique moi. Pas mal. Donc ensuite, par où dois-je aller? Ok. Hein? Il était pas mort le. Je croyais qu'il était mort moi putain. Non. Non. Voilà. Direction la plaine. Donc là je suppose que Vegeta s'impose. Bon, si j'arrivais à trouver. Sans god. Pas de fait. Hein? Il s'est barré comme un juif comme ça. Il y a Piccolo, ok, mais non, mais Piccolo il est nul en fait. Là, c'est un juif. Le mec il a battu vous, il a fait ok, j'ai battu l'héros et je me casse. Non, mais quand même, pas ta gueule, pas moi. Là. Super, il a bloqué. Par contre, est-ce qu'il y aurait... voilà. Ça aide un peu. Hop là. Et voilà. Voilà. Allez, on fracasse Gohan. On est le Super Saiyan. Super Saiyan. Si vous ne connaissez pas l'asile d'ailleurs... De Smash It Combo, si ça part de manga, je la mettrai peut-être au bout d'un moment dans la vidéo. Je verrai. S'il n'y est pas, c'est que j'ai eu la flemme ou que j'y pensais plus. Donc voilà. Au pire, vous mettez Smash It Combo Baka sur YouTube et vous trouverez bien. La Zik Mu. En tout cas, ça déchire. Par contre, tu vas te calmer, toi. Aïnaru, Frasha! Ah ouais, du coup je spam, pas les couilles. Bon, si je te visais, ce serait plus cool. Mais... Le gros youtubeur de merde qui spam toute sa vie. T'sais. Bon ouais, on va arrêter. Allez. Viens. Il pue tout le temps. Ça suffit. Viens. Bon, et puis pour ceux qui seraient pas, il y a G-Star Victory versus Plus qui est G-Star avec un plus devant, mais c'est la même chose qui sort le 26 juin en France sur PlayStation 4. Donc je fais le let's play, je l'avais déjà fait en job sur G-Star Victory versus normal, sauf que là vu que c'est en français, bah on va comprendre enfin ce qui se passe, et vu que c'est une version PS4 60 fps etc, enfin je pense. Bah ce sera peut-être toujours un peu stylé, et puis vu que je suis une chaîne manga, je me dois de faire. Donc voilà. Allez, on prépare le canon Goriko. On a enlevé un peu de vie, c'est pas mal. J'arrive, il y a quelqu'un d'autre qui m'a tapé, non? Non, non, juste ça comme ça. Mais... Ok, dans le vide, c'est pas mal. Rainuru, flash. Yeah, nickel. Mais il veut quoi, lui? Ah, mais il était pas avec nous, en fait. Genre, où c'est Piccolo qui est en train de me taper, là. Le monde tourne à l'envers, j'ai l'impression. Non, ça marche pas.
Bon, on va préparer le super canon Garrick. Pas mal. Mais ça, c'est beaucoup mieux. Déjà, ça enlève beaucoup plus de vie. Et de plus, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus rapide à lancer. Nana. Picoteuse. Avant des mots comme ça. Mihi. C'est ça dans le... Ok, je suis nul, vas-y, dites-le dans les commentaires que je suis nul. C'est ce que vous pensez. Ok, très bien, pour la... à ciel ouvert... Hein? What the... On va retourner dans le ciel, là. Et là, il y aura peut-être Bruce. On verra bien ce que ça donne. Oh mon dieu, nouvel ennemi! Oh mon dieu, Beerus apparaît! Je ne l'aurais jamais su si vous ne l'aviez pas dit. Bon, arrêtez, je vous en prie. Beerus, le dieu de la destruction. Le dieu de la résistance, je viens. Attends, je rêve ou là, il a. Oh merde! Ah non, mais ça va, il reste une seconde. Voilà. Bon, par contre, voilà. Faut pas qu'il m'a enlevé un peu beaucoup de vie, mais on va dire un peu. Je crois qu'on va spammer les. Par une nouvelle flash. Parce que là, je suis désolé, mais. Parce que là, sans déconner, il est vraiment, vraiment, vraiment très puissant. On va peut-être se rapprocher un peu, on va pas tenter le diable. Et voilà, voilà. Ah là, par contre, j'ai l'impression qu'il s'est un chouïa protégé. Le gros juif qui fait que des spammes. Right. Hop là. Oh, je suis désolé, mais là je l'avais touché. Hein. Oh, ça m'est rapide. Protège-toi. Je protège. Oh, lui. Oh putain, non, mais il avait 3 barres de vie, cet enculé. Allez. Bon, à mon avis, on va pas trop s'en sortir, à mon avis. Ça va être chaud, patate. Sachant qu'en plus, il esquive les attaques spéciales. Ça va être... Ça va être coton, comme je dirais. Je dirais dans... Mais c'est de la triche. Ah mais je vais mourir en fait. Ça m'étonnerait que je gagne honnêtement. Honnêtement. Oula. Attends. Allez. Ah oui, il revient à la vie, c'est vrai, j'avais oublié ça. Ça peut être pas mal. Okay. On peut peut-être gagner avec un peu de chance. Si c'est pas... J'aime pas trop ces techniques. Par contre, pour Freezer, je pense qu'on fera juste un petit duel avec Ania, on verra. Parce que sinon, la vidéo va être trop longue. Je referai peut-être une autre vidéo avec les quêtes parallèles. Dites-moi dans les commentaires là, si vous voulez. Puis je verrai ce que je fais. Non. Allez, il a plus beaucoup de vie là, ce serait con de perdre maintenant. Voilà.
Et puis j'ai vraiment plus rien. Ouf ça. Non. Ah, salut. Ok. Vive la vidéo. Bon bref, en tout cas, vous voyez, tout seul, c'est quand même assez chaud de réussir à battre ces personnages. Bon, après, je suis pas level max non plus. Mais bon. C'est comme ça, c'est comme ça. On va faire un petit combat hors ligne pour tester Gold Freezer. Et puis, on se laissera là pour cette vidéo. Parce que je vais pas faire une vidéo de... Eh non, je voulais pas faire du... Bon, tant pis. Donc, on va tester... Gordo Frieza. Et puis on va mettre Goku Super Saiyajin. Et en face on va mettre Vegeta. Et le truc bizarre. Ensuite, bah, comme arène, on va prendre voilà, la map de GT qu'ils avaient rajouté. Bon. Oula. Il a pas trop mal à jouer, Freezer. J'aime pas le perso, mais il a pas l'air trop mal. Va se calmer, Vegeta. Hein. Bon. Mais... Ok, très bien. Voilà, prends ça et ferme ta gueule. Il l'a esquivé. Miaou. Elle est pas belle comme un juif. Hop là. Bon, on va charger notre énergie en attendant. Pour essayer. Rayon mortel de l'empereur. Oh putain, il spam le rayon. Ah ouais. Spam le rayon de la mort. Si je dis pas de conneries. L'âme de l'ampoule. Oh, c'était chelou ça. Bon, Vegeta c'est fait. Va aller niquer lui. Y'a quoi comme technique? Rayon mortel, Kikoa de l'empereur. Ouais, bon, sauf que j'avais visé en bas, quoi. C'est pas grave. Elle est stylée sa voix à lui là. Mec qui fait des pompes avec moi, regarde ce qu'il y a. Yop les. Minute, je vais te faire. Ok. Mais qu'est-ce que c'est? Mambarigou. Na. Maman, il joue avec moi, gars. Ok, tu veux jouer à ça? Je t'envoie tous les rayons d'abord. J'aurais voulu rien dessus. Mec, c'est un perso qu'on a jamais vu du tout et puis il est plus fort que tout le monde quand même. Les. Ah bon, évidemment, ce bug bizarre. Hein. Bizarre cette technique aussi. Les. Et on finit avec ça. Et voilà. Go. Il était pas mort lui. Ah oui, merde. Faut pas qu'on le laisse se soigner, c'était pour ça. Donc en tout cas, c'est la fin de cette vidéo. Donc on a testé Gold Frieza. Il est de nouveau. Enfin, Goku et Vegeta, Super Saiyan God de Super Saiyan. Et j'espère que ça vous a plu. Donc si vous voulez que je fasse les autres quêtes secondaires du DLC dans une autre vidéo. Ah. On va dire qu'on sait pas ce que signifie ce... Mais attends, Le pire, c'est que ça, c'est un bot. En solo. Ce nom là. Bon, j'espère que pour ceux qui connaissent pas, ne cherchez pas ça sur internet. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Donc comme je l'ai dit, si vous voulez que je fasse les autres quêtes secondaires,
du DLC, dites-le dans les commentaires, et peut-être que s'il y en a beaucoup, peut-être que je réaliserai ceci. Donc n'hésitez pas à aimer la vidéo, à me rejoindre sur Facebook, Twitter et Twitch TV, et surtout à vous abonner évidemment à ma chaîne YouTube. Et moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.